years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Bon, voilà, ça fait un petit peu plus Resident Evil comme, comme ambiance, hein, déjà, rien que du hall du manoir. Hein, bon, c'est du Resident Evil, ça. Même l'inventaire, hein. On a des armes, déjà, on n'a pas que le couteau. Alors, dans ce niveau, il y a 18 étoiles qui sont parsiminées et qui sont comme ça. Ah, bah, super. Il faut aussi les retrouver. Bon, c'est un bonus après. What is it with this guy and cranks? He's a man of refined taste. He's obsessed. That's what he is. You grab it. Okay. Je laisse un petit peu de munitions, mais. En vrai... Voilà, là, il faut le... l'écusson pour le... passer. Passer verrouiller l'intérieur. Donc, les ambiances à l'ancienne. Eagle 6 to Nest, do you read? We read you, Eagle 6. Go ahead. We found some men down. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows what killed them. Roger that. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Use extreme caution. Allez, deux. Et si on pourra pas passer par là, ok, d'accord. Hop. Oh. Il est moche. Pas joli joli hein, ça c'est moche. Ok. Ah oui, les trucs sont à l'ancienne, hein. Les portes. Enfin, si je me trompe pas en facile, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... d'ennemis dans la première partie manoir. Qui rend le jeu assez simple. Il y a une page de journal, cette page sont manquantes. 9998, ce soir j'ai joué au poker avec Scott et alias de la sécurité et Steve de recherche. Steve a gagné gros. Je pense qu'il a triché l'ordure. Un responsable m'a chargé de prendre soin de la nouvelle créature, on dirait, et un gorille dépecé. Scott a dit qu'il y a eu un accident dans le labo souterrain, je savais que ça arriverait ces crétins de chercher en mode d'orme jamais, même pas les jours fériés. J'ai cette espèce de combinaison d'astronautes sur moi depuis hier. Ma peau se désagrège et j'ai des démangeaisons absolument partout. Ah. Le mur circule qu'un chercheur qui a essayé de s'enfuir a été abattu l'année dernière. Mon corps me démange et j'ai la fièvre, je n'arrête pas de transpirer. J'ai gratté une protubérance qui s'est développée sur mon bras et un manchette pourri est tombé. Qu'est-ce qui m'arrive? Une fièvre, mes démangeaisons. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture de chien. Gratte, bon. Il y a un moment qu'on concentre les dernières pages. Ça rend ça, voilà, c'est un petit peu, ça fait penser un petit peu au, au Resident Evil où il y avait des trucs, des dossiers, des machins.
Alors, je sais pas si on pourra tous les avoir. Il y a certains, je pense que c'est avec Jill qu'il faut les avoir. Chris, je suis dans la dining room. Kind of takes you back, doesn't it? To Raccoon City? Unfortunately, yeah. That's where all this started. Hard to believe that was 8 years ago. I guess I am getting older. You're not the only one. I got the door open. Ah non, c'est bon pour l'avoir. Ouais, si j'avais. Ok. Ah, les morts de Patrick. Alors, la tombe de Patrick. Pendant un certain temps, Maître Spencer semblait reprendre ses forces, mais le destin n'était pas si clément. Maintenant, il passe ses journées enfermé dans son bureau. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu prendre un repas dans la salle à manger. J'ai fait tout mon possible pour lui préparer un bon repas que je lui apporte tous les jours à son bureau. Heureusement, il n'a pas assez de force pour manger autre chose que de la soupe. La situation dans la demeure n'avait jamais été aussi sombre. Du jour, la demeure Spencer était le point de passage de toute la haute sphère européenne. Maintenant, seule une poignée de serviteurs subsiste pour prendre soin d'un homme solitaire reclus dans une de ses nombreuses résidences. La famille était au service de la demeure Spencer depuis l'époque de son grand-père. Un déclin aussi rapide aurait été impensable il y a à peine une génération. Je me souviens de temps de ma jeunesse, cela me semble si loin maintenant. C'était il y a une cinquantaine d'années, quand mon père était le majordome au chef de la demeure. À cette époque, je suivais ses fonctions pour pouvoir un jour lui succéder. J'étais toujours occupé à courir à droite et à gauche dans la demeure. Je me rappelle de Lord Ashford, un aristocrate de bonne famille, et Dr. Marcus, un ami d'école de Maître Spencer, venait à la villa pour échapper à la chaleur de l'été. Mon père et moi les accompagnons en faisant de notre mieux pour qu'ils ne manquent de rien. Une belle bande d'ordures. Peut-être parce que j'étais le plus jeune, il arrivait qu'il me taquine. Mais le plus souvent, ils me traitaient comme l'un des leurs. Je me rappelle du moment où Lord Ashford m'a fait goûter du brandy pour la première fois. C'était un deuxième étage de la salle à manger. Derrière les statues de pierre, je n'oublierai jamais l'odeur quand il m'a ouvert la bouteille. Mais ces temps ne sont plus maintenant que des souvenirs. Lord Ashford, Dr. Marcus et bien sûr mon père ne sont plus de ce monde. Il ne reste plus que Maître Spencer. J'ai bien peur que ces jours soient comptés. Quand Maître Spencer disparaîtra, cela marquera la fin de son illustre famille, ainsi que celle de ma famille au service de la sienne. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre l'inévitable. Mais bon, conseiller machin, voilà. Donc ça fait 5 avec celui que j'ai pris en haut, en fait. Là, normalement. Voilà. Qu'il y avait un truc. Et voir le Patrick 2. Ah! Je ne peux pas m'empêcher de penser aux cris des prisonniers du sous-sol. J'aurais dû administrer le virus il y a une semaine, comme exigé par Maître Spencer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont plus humains. J'ai participé à un grand nombre d'expériences sous les ordres de Maître Spencer. Je sais de quelle aide peut être un majordome sans instruction scientifique. Mais je peux être fier de la confiance que m'accorde le maître. Il n'y a généralement que du mépris et de la méfiance pour ceux qui l'entourent. Parfois, j'éprouve un décalage entre ce que ressens et ce que je devrais ressentir. D'un côté, je suis rempli de joie à l'idée de pouvoir aider mon maître. De l'autre, j'ai l'impression de perdre une partie de mon âme à chaque expérience à laquelle j'assiste. Pour que je puisse préserver mes facultés mentales, je devrais prendre des vacances, soit me débarrasser de toutes les missions. Dans tous les cas, je dois agir sans questionner le maître. Sans du devoir et l'honneur sont en jeu. À ma génération, ma famille a toujours été loyale envers la demeure Spencer. Je ne faillirai pas à mon devoir, je servirai Maître Spencer jusqu'à la fin. Je consacrerai ma vie à le servir et je continuerai ainsi. Il est temps d'examiner les sujets et faire un rapport sur leurs conditions actuelles pour Maître Spencer. J'ai une tâche à remplir et je la remplirai avec honneur.
n'y a pas de documents associés. Et sonnette pour piano numéro 14. Jill. Roger. Sonnette au clair de gueule, au clair de lune. Et Beethoven, c'est ça, hein. Sonnette au clair de lune. Sonnette au clair de lune, je pense que c'est Beethoven. Bon là on joue en facile, non, il n'y a pas d'ennemi au début. C'est pour ça que ça il y a beaucoup de tension, mais en fait quand tu joues la première fois, t'es là, il y a des partout, on te dit rien, il y a un truc qui va me sauter à la gorge. En fait pas du tout. Ah, il y a un petit truc aussi, celui qui regarde le live ou la VOD. Quand vous inspectez trois fois, je crois, la porte au début, vous passez en mode Resident Evil 1, c'est-à-dire que vous avez la vue à l'ancienne. Et plus la vue caméra à l'épaule, mais les vues au-dessus, enfin les différentes prises de vue, comme ça. Ouais. Donc, faut faire gaffe parce que c'est moins jouable. Hein. Jill. Ok. Ok, c'est ouvert. Les trois mots de passe. Si je me trompe pas, ça fait 8. Encore plus de trucs. Hein. 9. La pièce sensible à la chaleur. Les trois mots de passe. J'ai quand même les jetons, mais il me semble que... Ah, il y a les documents. Je me disais bien qu'il y avait les documents ici. Moi, Oswald E. Spencer,
fondateur et président d'Umbrella, je me déclare comme étant le maître du monde. Tous doivent se prosterner devant moi comme ils l'ont fait jadis devant ces fausses divinités. En tout cas, c'est ce que mon destin aura dû être. Mais je ne suis pas devenu un dieu, je n'ai pas réussi à me débarrasser de mon humanité. Et ça, cette maudite maladie qui a l'âge en train de me ronger. Des rides telles que des ravins creusent mon visage et mes bras ne sont plus que des fines branches mortes. Le temps m'a même privé de l'usage de mes jambes. La seule chance qu'il me reste de devenir un dieu, de façonner le destin de la race humaine et d'arrêter cette maladie qui continue de ravager mon corps. C'est impressionnant que les gens réalisent la valeur de la vie quand ils sont au seuil de la mort. Ce que disent les faibles avant de mourir, vaines tentatives de cacher leur peur. Les simples mortels ne peuvent comprendre ce qu'est la vie d'un être qui est au-dessus de la mort. Les gens aiment faire des généralisations sur ceux qui refusent d'adhérer à leur idée ridicule. Je réparer cette injustice dont tant m'accable, présentant comme un être parfait à la tête de ce monde, je leur donnerai tous une nouvelle liste de commandements qui gouverneront leur vie. Il ne reste plus qu'à trouver la clé de la vie éternelle. Le virus créé par Umbrella, cette clé supprime le raccourcissement des télomères, ce qui a pour effet de neutraliser la limitation de la division cellulaire. S'il est possible de parfaire ce processus, le secret des meurtriers sera à moi. J'ai moyen à ma disposition, je peux concrétiser mes solutions grâce à Alex. J'ai perdu beaucoup de personnel à cause de la faillite d'Umbrella, mais j'ai encore Alex avec moi, le dernier de mes enfants, et le plus brillant d'entre eux. Si personne peut trouver un remède contre ce mal qui m'empêche d'assurer mon rôle à la tête de l'humanité, c'est Alex. Alex trouvera un moyen. Et non, Alex ne trouve pas de moyen, d'ailleurs on lui casse le cul dans les antivilles Révélation 2. Ah, l'autre document. Enfin, le deuxième mémo, tiens. J'ai fait tout ce qu'Alex m'a demandé, la génération d'Alex surpasse celle d'une personne normale. Nous attendons au moment opportun, réunissons le matériel nécessaire et Alex veille à la continuation des opérations. La majorité des enfants sont limités par leur intellect, mais ce n'est pas le cas d'Alex. Je n'avais jamais vu quelqu'un pouvant absorber aussi parfaitement le talent des autres, simplement en les observant. Je pouvais pas être plus satisfait. Alex montre des qualités supérieures à tous les autres. J'ai fourni tout ce dont Alex et les chercheurs avaient besoin pour mener leurs recherches. Financement illimité, équipement de pointe, documentation et réserve sans fin de cobayes. La seule chose qui manque, c'est le temps. Ils mèneront leurs recherches dans leur isolé, quelque part dans les mers du sud, qui abrite un complexe militaire abandonné. Alex s'est déjà rendu sur les lieux avec quelques-uns de ses assistants, du matériel et des centaines de sujets de test. J'attendais avec impatience des nouvelles de leurs recherches à ma place. J'ai reçu un appel demandant l'envoi de sujets de test supplémentaires. Comment ont-ils pu dépenser des centaines de sujets en à peine un mois? Alors que ma façon commande, Alex tente de me rassurer. Je serai heureux de savoir que tous les plans se déroulent sans problème. Je continue donc à patienter. Aïe aïe, pauvre Spencer. Mémoire de Patrick. Le troisième. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été au service de Maître Spencer. Cependant, récemment, je trouve ses agissements de plus en plus difficiles à saisir. Par exemple, il prend toutes les précautions possibles pour se cacher du monde extérieur. Pour quelle raison, je l'ignore. Puis un jour, il me demande de retrouver une certaine personne et de lui révéler la cachette de du maître sans prendre connaissance de la source de l'information. La personne en question se prénomme Albert Wesker, un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. J'ai rencontré une seule fois, c'était il y a plus de 10 ans. Je dois admettre que je me souviens plus de son visage, je ne suis pas fier sachant que cela fait partie de mon métier. Je pense que c'est à cause de ses yeux froids, sans émotion, qui font oublier son visage. Bref, je me suis engagé à faire parvenir cette information aux mains de Wesker. Je connais un individu sans scrupule qui peut répandre l'information dans les rues pour un certain prix. Il ne peut pas pouvoir atteindre n'importe qui. Ce qui le rend si important, c'est qu'il est l'informateur d'une femme qui travaille régulièrement pour Wesker. J'ai payé cet homme, je ne sais plus si son nom était Roberto ou Ricardo. Il n'est pas été et je lui ai donné le minimum d'informations pour réaliser le souhait de Maître Spencer. Alors c'est pas... Comment il s'appelait, comment Serra? Dans Resident Evil 4, c'est Ricardo son... Ricardo Serra, je crois. Bref. J'ai suivi l'indication de Maître Spencer à la lettre, c'est alors que la situation prit un tournant encore plus étrange. Le maître m'a renvoyé, je sais pas pourquoi, je lui ai demandé la raison.
la première fois que je le questionnais, mais il m'a répondu qu'avec du silence. C'est pas bon, je sais pas quoi faire, je me sens un peu perdu. J'ai passé toute ma vie au service de la demeure sincère, et maintenant, le livre s'est fermé sans raison apparente. Ce qui reste sont ces gardes peu dignes de confiance et les gens emprisonnés dans le sous-sol. Je doute que les gardes arrivent à satisfaire tous les besoins de Maître Spencer. Pas envie de mourir, non. C'est pas du genre, ce n'est pas son genre, il voulait pas laisser son travail inachevé. Le professeur doit avoir un dessin qui surpasse la compréhension. De toute façon, je ne peux qu'obéir et partir. Pas fidèle jusqu'au bout, même si ça me fend le cœur. Document, il y a le sujet de test. Sujet de test. Hans, Felicia, Marco, Jonah, Irma, Ken, Laura, William, Hiro, Miles, Alex et Albert. 13e, c'est Albert. Le traître. Le nombre de candidats est limité à 13 individus, mais on s'est décidé. Oh mon dieu! Mais... Mais il est complètement con ce jeu. Mais non. Elle va crever. Elle va crever parce que ce jeu est codé avec le cul. Mais cours, abruti. Allez. Ouais, mais je voulais prendre le truc, mais apparemment... Osef, quoi. Le jeu me dit Osef. Ah oui, d'accord. Hein? Il a pas été pris. Je me suis fait niquer, c'est ça? Ouais, la fameuse manivelle. Ah, je suis deg, je suis sûr qu'elle est pas comme ça comme prise. Bon. Allez, on part. Sans tomber. Limite dommage quand tu joues comme ça en saut, tu peux pas switcher le personnage. Oh. Tu t'en démerdes, hein. Ça me regarde pas, hein. Ah merde, faut que je refasse la même chose. Et de un signe ici. De toute façon, ils m'ont manqué un. Je pense qu'en jouant en Kijin, on peut les avoir tous. C'est pas très joli joli hein, mon coin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Bien décomposé, hein. Elle est bien décomposée, bien en sale état. Regardez une par une les prisons.
Non, ça c'est pour toi. You bailed me out back there. Putain la vache, il m'a fait tellement peur. This is why it smells so bad. Be careful. Merci. Vache. Et cassons-nous. Alors, point faible, il est dans le dos. Ouf. Ça va, on a géré quand même. Là, on l'a fait. Là, il n'y en a pas. Il arrive en tournant le dos à Emmett, il n'est pas très fort. Il est un peu idiot même. I'll cover you. Si je me trompe pas, on a tué tous les... Il y en a ici des... Jill. Okay.
Je crois pas qu'il y en avait de dans Blamy. Glitch, ah ouais, voilà. Putain, un programmeur. Hein. Je connais par cœur le jeu. Hein. Ok, là, il faut insérer les deux parties de machin. Bien. Tac, 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 tac. Donc, il y en a un ici, facile. Ça va, Vissarl ? Oui, ça va mieux. Il fait. Ah oui, pendant un. Pec. Ah, pec. On a plein d'armes, on s'en est servi d'aucune. Mais bon, en même temps. En même temps, voilà quoi. Y'a pas trop besoin ici. Buffet, toi, poulette. Ouais, bien. Ouais, voilà. Le skill, eh oui. Eh oui, le skill. Jill, are you okay? I'm fine. But I lost most of my gear. Same here. Alright. Eh oui. Try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. Eh oui, on n'a plus d'équipement. Eh, il y a une saloperie qui traîne. Faites soin quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? D'accord. Je le disais aussi. Ah, le petit... Jill. Roger. D'accord. Take them all out with this.
suis là. Coucou. Bon, le premier est très facile. Enfin, il y en a qu'un. Ah, il est bloqué. Bon, il y en a qu'un en facile, mais alors je peux vous dire quand on commence à taper dans le difficile, c'en est rempli, il y a 15 manivelles, 15 trucs à faire tomber, des fois t'en as plusieurs, jeux d'horreur hein, dans ma pièce. Hello, il y a quelqu'un? Ouais. En vrai, ce scénario, il est pas mal quand même. C'est juste que, voilà, bon. C'est ça le problème en fait de Resident Evil, c'est que plus ça va, plus on suit l'aventure de Chris et Jill, qui et Léon, de temps en temps, qui ils ont l'habitude de ce genre de situation, donc ils ont pas peur et puis ils sont là pour casser des monstres par paquet de 12, ça se voit en fait. Ça se voit clairement. Pourquoi tu l'as pas pris, espèce de... Voilà, c'est ça. Et du coup, le côté horreur, c'est super. Et c'est là où ils ont été intelligents dans le set, c'est qu'ils ont pris Ethan, qui est un mec lambda. Et du coup, il sait pas où il est. Enfin, il sait pas qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Et ça fait un peu plus... ça fait horreur, quoi. C'est vraiment le mec qui est paumé dans... un cauchemar. Enfin bon. Okay. Bah, prends-le, t'attends quoi, une bénédiction? F. Ah bah d'accord. Ah bah c'était violent, hein. Ah la vache. Bon d'accord, moi je vais chercher des munitions, vas-y. Occupe-toi de lui, Paulette. Hein. Bon courage, hein. Elle a déjà dépensé toutes ses munitions. T'es sérieux là? Ah. Hein? Mais non, mais mon partenaire te fait pas tuer pendant que je suis pas là. Mais non, mais c'est quoi ce partenaire en carton là qu'on m'a donné là? Alors, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça, là? T'arrêtes. Ah, d'accord. C'est moi où on subit...
subis. D'accord. En fait, si tu esquives pas cette attaque, tu meurs. Ah la vache, c'est radical, hein. Alors, moi, les QTE au clavier, faut abandonner, quoi. Faut abandonner l'idée, quoi. Ah! Oh! D'accord, je lui mets une droite. Je lui mets une droite comme ça! Et moi? Tu veux m'apprendre la fin des virus à moi? Alors je lui ai mis une droite comme ça. Ah, ça fait mal. J'ai beau être matinal. On le bat comment? Oh, crétin! Voilà. Bon, on a souffert, hein.